Alors maintenant qu'on a un grand sac d'ailleurs, on peut récupérer le fusil. Voilà. Ça prend... Ouais, il y a une gestion de la place dans le sac, donc... forcément, sinon ça servira à rien d'avoir le sac. Pas quand même le pouf, hein, au cas où. Pour la défense, alors je sais pas si après on peut les péter. Alors du coup, je vais me prendre le pistolet. Je vais recharger. Hop. Bon, la transition est pas super bien faite, mais c'est pas grave. Hein. C'est vrai qu'il y a des cochons par ici. Ils ont simulé le bruit des cochons. C'est quoi, c'est un bol de paille. J'ai ma petite maison qui est barricadée là. Petite ferme. Walking Dead. Alors j'ai jamais vu des silos comme ça, je sais même pas comment c'est. Est-ce qu'il y a des trucs dedans? Non, on dirait qu'il y a que dalle. Et peut-être que c'est là-dedans en plus que ça gueule. Peut-être que j'ai gavé de zonzon là. Ah aussi des planches et tout. Par contre il y a que dalle ici. Ah, il y a un zonzon qui arrive là-bas. C'est bien parce que bon il est un petit peu mal placé parce qu'elle est à moitié sur la route. Mais c'est pas trop mal ça comme bâtiment. Hein. Niveau défense, il y a plusieurs points de sortie. Il y a plein d'échelles. Par contre est-ce qu'il y a du loot? Ah ouais là-bas il y a des trucs. C'est cool. De la bouffe. Des légumes. Ah il y a un fusil de chasse encore. On peut quand même le prendre. Hein. Et on peut déplacer les ballots de paille. Putain je savais même pas. Bravo la science, bravo. Alors je sais pas où est-ce qu'il est parti le zombie. Ah, on peut monter en haut du silo, dis donc, j'avais même pas vu qu'il y avait l'échelle. Et oui, ça paraissait logique en plus. D'ailleurs, on a quoi comme vue quand on monte là-haut? Je sais combien de... Voilà ça. Putain, disons les maïs, en fait c'est du maïs. Donc. Le maïs et le chou, ça prend de la place quand même dans l'inventaire. Hein. Ah ouais. Ça donne bien. Ah là, vous voyez, il y a une grande ville là-bas. Il y a des zombies. On les voit les zombies là-bas. Il y en a quelques-uns là-bas. D'ailleurs, on va changer de fusil. On peut trouver en fait des armes qui sont dans un plus ou moins bon état. Là, vous voyez, ils sont dans un état excellent. Donc ça va. Pas se plaindre. Ouais, vous voyez, il y a quelques zombies. Ah, c'est quoi ça là-bas? C'est quoi ça là-bas? Putain, j'avais même pas vu. On dirait un aéroport ou un truc comme ça. Ah putain, mais franchement, j'ai bien fait de faire une vidéo. Alors, faut faire attention quand on descend les chaînes parce que là, j'ai failli mourir. J'ai failli faire une chute qui m'aurait tué. Je suis comment au niveau de la vie? Heureusement, la vie remonte. Là il y a un zombie. Alors, je vais attendre un petit peu. Alors j'hésite à y aller maintenant. Alors que vous voyez que le soleil là il a clairement descendu. Alors je ne sais plus qu'est-ce que c'est la touche. Alors on peut faire ça. Alors c'est quoi la touche pique. Ouais. On peut faire. Ah oui c'est V. Voilà, la lampe torche. La lampe torche, ça va être très utile. Ah d'accord, comme ça et comme ça. Ah cool. Ah mais ça c'est déjà trop énorme ça. Là vous avez voilà les players. Quand vous êtes un multi. Mais on va prendre le pistolet parce qu'on a quand même. Pas mal de munitions et on va déglinguer le zombie. Ah bon, mon pistolet a oublié de faire du bruit, c'est pas grave, on va pas trop lui en vouloir. Alors on va recharger parce qu'il faut pas oublier de recharger hein. Des fois
Des fois, ça peut vous sauver la vie de pas oublier de recharger. Alors, je sais pas si. Est-ce qu'on le tente? Est-ce qu'on le tente? On voit aux lueurs du soleil qu'il va pas tarder à faire nuit. Est-ce qu'on le tente? À ton avis, Lara, est-ce qu'on le tente? J'ai suis dans une petite maison que j'ai préparée pour me survivre à ma nuit. Et là-bas, j'ai vu un aéroport. Un aéroport, à ton avis, est-ce que je tente d'aller là-bas avant qu'il fasse nuit, de revenir ici dans ma barricade? Allez, j'y vais, allez, soyons fous. C'est Lara qui me l'a dit, si je meurs, c'est de sa faute. Donc on va y aller, on va courir avec le bras levé comme ça. Il est très stylé. C'est très bien, en plus ça conduit bien. Bravo! Eh ben c'est très très bien. Maintenant tout le monde le sait. Alors il est où le truc? Il est là-bas, il y a les petits tours, on voit les petits tours, on va parcourir la route. On traverse les champs de blé. Là, vous voyez mon personnage, il a un sac à dos dans le dos. Ça, c'est classe. Parce que j'ai trouvé un sac à dos, qui est d'ailleurs très très pratique. On va passer au milieu des zombies. Ah, par contre, il y en a un qui court vite là. Et il y en a un qui a une animation un petit peu. Il y en a deux même. Qui court vite. Et ceux-là, c'est les plus chiants. Parce que c'est les seuls qui peuvent vraiment vous rattraper. Parce que les autres, hein, vous leur mettez un tir niveau course. Ils ont pas fait assez de courses quand ils étaient jeunes. Alors, je vérifie mon endurance. Parce que ça, il faut faire gaffe. J'ai pas envie de me retrouver à court si j'ai besoin. Alors, ouais, c'est on dirait une prison même. Et là, maintenant, il faut trouver l'entrée. Il faut trouver l'entrée, alors que le soleil va pas tarder à se coucher, bordel! Eh bien, on va voir survie hostile dans la nature en pleine nuit. Allez, on va se mettre sur la route. Vous voyez que là, les véhicules, quand même, ça serait quand même pas mal utile, hein, parce que vu les distances qu'on a à parcourir. Et ça serait bien rigolo aussi, parce que vous voyez là, si on arriverait en pique... Oh, tous ces zombies qu'il y a. Arriverait en pick-up jusqu'à là et tout écraser sur notre passage, ça serait trop trop cool. Ouais, ça me dirait une prison. J'ai cru que c'était un aéroport parce qu'il y avait des tours, mais en fait non. C'est une prison et le soleil qui va se coucher bientôt là. Ma lampe torche marche. Oui. Vous voyez, c'est hein, la petite lampe torche de façon Silent Hill ou Resident Evil. Petite lampe torche qui éclaire pas grand chose. D'accord, ouais, en fait j'étais du mauvais côté. Et ça va être une prison. Et quoi de mieux pour résister aux zombies que d'être dans une prison? Je vous le demande. Hein. Ouais, ça là, il va pas tarder. Hein. Bon, j'espère qu'il y aura un petit peu de stuff là-dedans. Des mitrailleuses peut-être? Pourquoi pas? Est-ce que c'est bien les snipers? On va regarder qu'est-ce qu'il y a écrit. Si c'est assez lisible. Ah ouais. Ouais, c'est une prison. Bon. On peut pas fermer les portes. Non, je veux fermer les portes. Non, c'est de ce côté. Non, je peux pas. Oh, c'est dommage. Ce serait rigolo, disons. Tu ferais des gros bunkers comme ça. Ah, lui, il est bizarre. Bon, allez, on va visiter tout ça. Je rappelle que là, je découvre aussi en même temps que vous, parce que je ne connais pas ces bâtiments. Bon, lui, il est bugué. Oula. D'accord, c'est ça la nuit. D'accord. C'était un petit peu... Ici,
si je fais ça, oui d'accord, si je fais ça, d'accord. C'est la nuit quoi. Mais vous savez quoi? On va pousser ce bureau jusqu'à la porte. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas déjà 2 millions de zombies dedans. On n'y voit rien du tout. C'est quoi ce bâtiment? Ouais, c'est une prison quoi. Ce qu'il y a de plus prison. Ah, avec des trucs, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. Et ça va, ils avancent pas. Et oui, si vous voyez, hop, en bas là, j'ai la lampe qui est limitée. Donc je peux pas la laisser allumer autant de temps que je veux. C'est quoi? De la bouffe. Non, j'ai cru que c'était une flingue. Alors il faudrait que je trouve quelque chose qui se rapprocherait le plus d'une armurerie ou une connerie comme ça. Ça m'a l'air quand même pas mal grand. Tiens, ouais, une prison. En plus, elle est pas trop mal faite, quoi. Vous imaginez des trucs comme ça en multijoueur, là. Avec un groupe de potes et tout, là, explorer. Hein. Ah, bah celui-là, je vais le laisser là. Je sais pas s'il peut péter les... Bon, lui, il a bugué. Quoi ça, c'est rien. Bon, hop, on va se casser de là. Il y a même la vue sur l'extérieur. On va fermer les portes. Ah bah ça va, c'est fermé derrière moi, c'est très bien. Ça, je vais la laisser ouverte comme ça. Je saurais que j'ai déjà vu ça. Mais ça a l'air d'être un beau labyrinthe. Alors, je suis désolé si la vidéo est très très longue. Oula. Une grande salle. Ah, le réfectoire. De la bouffe. Un plateau. Lancer le plateau dans la gueule. Non, on lance pas assez loin. Hein. Bon, vous allez voir comme quoi l'inertie des objets est pas encore bien foutue. Balancer un plateau dans sa gueule. Ouais, je l'ai l'air. Bim, ça marche mieux ça. Je vais récupérer la poire. Merde, il y a l'accès à l'extérieur. La bouffe encore. Là par contre je peux plus porter. Ah par contre voilà, je crois que je suis pas enrhumé mais il y en a qui sont voilà expired, donc ça veut dire que c'est dégueulasse. J'entends les bruits de pas. Une pomme, mais ça c'est celle que je viens de jeter. Parce que là on peut pas. Oh, un terrain de basket, trop cool. Oh putain, j'ai fait un lancer planétaire là. On va jouer au basket, c'est là de nuit, merde. C'est pas facile de jouer au basket quoi, avec des zombies. Oula, j'ai la balle de Satan. Peut-être qu'on aura plus de chance avec celui-là. Est-ce qu'il y a une deuxième porte là-bas? Non. Hop, alors, merde. On fait des espèces de lancers, mais c'est un truc de malade. Ça peut être bien rigolo. Hop, merde, trop haut. En plus, ils peuvent même pas m'a toucher là. Donc du coup, je peux faire du basket toute la nuit tranquillement. Raté. Par contre, hein, si le ballon il passe de l'autre côté, je vais pas le chercher moi. Raté. Bon, on va pas s'embêter comme ça. Il y a une tour et d'ailleurs des trucs dans la tour. Vous entendez un petit peu tous ces grognements, comment c'était fou le stress. Alors en plus il fait tout noir quand j'éteins. Hop. Si ça met pas le stress, ça. Ça je vais laisser ouvert donc. Alors, qu'est-ce que j'ai visité, moi? Je me souviens plus, j'ai visité là-bas, mais on va visiter ici. Encore des cellules. Est-ce qu'il peut péter? J'ai rechargé, ouais, ça, j'ai rechargé. Si je devais utiliser mon arme. Si je devais mourir dans cette prison.